Cérémonie à la télé il y a encore quelques années et je me disais waouh, c'est bien tous ces Belges qui se bougent et qui font des chouettes choses, des projets ambitieux. Donc je suis très honorée aujourd'hui de l'avoir gagné. Je suis très heureuse d'être récompensée pour mon boulot d'humoriste, surtout au sein ici de Paris Match et de la RTB. Voilà, ça prouve qu'on peut avoir plusieurs casquettes, ça prouve qu'on peut faire plusieurs choses, qu'on peut surtout aller au bout de ses rêves et que on peut si on se donne les moyens, on peut avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire, peu importe ce que les gens veulent qu'on fasse ou nous disent de faire. Voilà. Je vous souhaite aussi à vous et à vous qui me regardez d'aller au bout de vos rêves parce que ça c'est un rêve. Voilà. Ce qui est génial en Belgique, c'est qu'on est vraiment un petit pays, tout petit pays qui regorge de tellement de talents. On dirait qu'il y a une ébullition au niveau des arts, de tous les arts, tous les types d'arts en Belgique ces dernières années. C'est chouette de pouvoir, je sais pas, assister à ça, être au premier plan ce soir. Et comme je le disais, il y a beaucoup de personnalités dans ces catégories que moi j'admire déjà et que j'apprécie beaucoup. Et puis c'est chouette qu'il y ait une cérémonie qui récompense ça aussi. Parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais il y a souvent des années et des années et des années de travail derrière où on reste parfois dans l'ombre assez longtemps pour finir par tout à coup émerger ou recevoir des petits coups de pouce comme celui-là. Et c'est chouette de pouvoir assister à ça et d'être dans ce genre d'événement.